Il faut que Cédric Jubillar avoue le meurtre de sa femme. Pour Philippe Pressec, avocat de la cousine de Delphine Jubillar, l'étau se resserre. Quand on a un dossier qui commence à être relativement épais et qui accumule des éléments matériels et psychologiques considérables, c'est la seule chose que Cédric Jubillar devrait faire s'il était apte à assumer ce qu'il a fait, a asséné l'avocat auprès de l'AFP. Sa cliente est une cousine de Delphine Jubillar qui a disparu dans la nuit de 15 au 16 décembre 2020 en plein couvre-feu sanitaire. A été entendue ce lundi en tant que partie civile par les juges en charge de l'enquête au palais de justice de Toulouse. Elle a été convoquée pour être entendue. Elle a repris tout ce qu'elle avait déjà pu dire devant les services d'enquête. Mais l'enquête a beaucoup avancé depuis qu'elle avait été entendue et beaucoup de questions lui ont été posées sur ses évolutions, a ajouté Maître Philippe Pressec.